Demoiselles, demoiselles, bonjour et bienvenue dans votre chaîne préférée, Professeur S. Donc, on a toujours fait R1, c'est un module. Et aujourd'hui, on va faire le chapitre Études des systèmes de base. Donc, RA qui veut dire régulation et asservissement. Alors, études des systèmes de base. Donc on va voir directement les exercices. Bien sûr, on va pas voir le cours d'ailleurs. Les exercices, vous allez comprendre le cours d'ailleurs. Bien sûr, mais je vais vous donner comme un truc superficiel à la hachi, genre les trucs, les taoudou, les exos, ce sont les mêmes. Alors, nous avons de l'exercice. Donc, on a le diagramme. Et la première question, il fallait déterminer la constante de temps ainsi que le temps de réponse du système. Très bien. Donc on doit déterminer la constante de temps. D'accord? Ainsi que la réponse du système. Très bien. Donc, pour la réponse du système, on a la loi qui dit que f de s qui est égal à k sur 1 plus taux fois s. Donc, comment calculer le taux tenant? Bien sûr, le taux tenant, je te vois déjà, je crois, en terminale physique et tout. Donc, le taux tenant, c'est 63% mais la valeur maximale du JS sur y de t. Donc, il veut dire la valeur maximale de 2,5. Donc, entre 2,4 et 2,6. Donc, regardez, c'est la valeur maximale. Donc, 2,5, on va dire. Alors, vous allez voir, tu fous, je crois, 63% mais la valeur est de 63% fois 2,5. Ahint la gawa dorhna 1,5 ou chouïa donc dorhna. Alors, hadia tsartoha ala le diagramme taakom. Mon ma tsartoha donc tsarto sur hna sur le temps là. Tahelkom 0,2. Donc 0,2 hadek ouwa le taux taakom. Très bien. Après, pour le temps de réponse. Pour le temps de le taux de réponse le temps pardon de réponse d'accord donc les huwa hadak to hadak tadalba fois 3 donc 0,2 fois 3 t'atteint comme 0,6 donc hada huwa 0,6 huwa le 3 taux d'accord donc le taux wahdou c'est 0,2 secondes par contre le taux le temps tana temps de réponse tana les huwa 3 fois taux, donc 3 fois 0,2, qui veut dire 0,6 secondes. C'est donc le temps de réponse. Hadia la relation Hadia, Hadia la loi Hadia, on va la voir la fin. Donc f de s, on a les IA, fonction de transfert. Donc à la fin, c'est la fonction de transfert. Donc à la fin, on sait quoi Hadik la loi. Pour la deuxième question, indiquer le régime transitoire et permanent. Bien sûr, même 3 taux hadia, donc 0,6, nous sommes jusque-là. Donc, le côté les huwa transitoire, le régime transitoire, et le côté gare, les huwa, voilà, le régime permanent. Je sais comment il doit faire ce. Alors, ce côté, c'est le régime transitoire. Et le côté, c'est le régime ta permanent. Et donc, maintenant, ta 3 tout. Après, il faut déterminer le gain statique de ce système. Donc, le gain statique de ce système, il y a la valeur maximale. Donc, le gain statique, c'est le K. Donc, le K, c'est la valeur maximale. Donc, on a les rahis, on a à peu près, 2,4, 2,6. Donc, on va dire que la 2,5, la valeur katana. Très bien. Après, on déduire la fonction de transfert de ce système. Comme le cas,
عند كم لتو pouvez remplacer f de s تاعنا donc f de s on a اللي هي la fonction de transfert du coup vous remplacez le k تاعنا ب 2,5 et vous allez remplacer le taux تاعنا ب 0,2 اللي حسبتوها من قبل اللي vous avez déduit ça donc vous allez trouver لهنا que f de s est égal à ça 2,5 sur 1 plus 0,2 fois s. C'était notre premier exercice. On va voir d'autres exercices. Donc, nous avons cet exercice avec le schéma simplifié d'un enroulement d'un moteur électrique. Et alors, on a ici VE de T. On a ici la résistance R, l'hydrosphère T, I de T. Donc, I de T, oui, deux haka, I de T, oui, la haka. Et aussi, on a là, la bobine L. Très bien. Alex, sachant que X de T, qui est égal à VE de T, il y a grandeur d'entrée. Et Y de T, il y a I de T, il y a grandeur de sortie. D'accord? Donc, VE de T, il y a l'entrée du système. Contrairement à I de T, les voies, la sortie d'un système. Première question, maintenant, avec déterminer la fonction de transfert f de T du système. Donc, on va à la f de S. Ft. Donc, on va à la f de S. Très bien. F de S, nous savons que il y a y de s sur x de s. On est bien d'accord. Donc, voilà. On a x de t, les roues ve de t, les roues l'entrée du système. Y de t, les roues i de t, les roues aussi la sortie d'un système tel. F de s, les roues y de s sur x de s. Donc, y de s tel, les roues i de s. Et XS tana les voies VE de S. On a, quand il s'agit de fonction F de S, les voies fonction transfert FT. Le gauche qui est en T, nous allons le faire S. Très bien, on a déjà fait la partie 1, on a déjà fait la partie 2. Donc, on doit, je vais en faire معادلة تكون فيها VE de T ou تكون فيها I de T باش نقدر نديرو voilà باش نقدر نديرو après شغل نحولوها لل BDS après نقدر نديرو I de S sur V de S VE S de S. Alors لازم نديرو équation de maille. عندنا cette maille là لازم نديرو l'équation de maille تاعنا. Alors واش نقدر نقولو هنا في هاد لا ماي كو VE de T داكور ايت ايغال ا واش راه يجوز هنا بلس واش راه يجوز هنا. تري بيان هادو جو كرو كو شتو ها ديجا في تيرمينال اون فيزيك ولا سا هكذا ولا اللي قراو الكتريسيتي راح يقدروا يجيبوها. دونك VE de T ايت ايغال واش يجوز هنا واش يجوز هنا أو يجوز R fois تيار I de T. Donc R fois I de T. Plus وش أو يجوز هنا؟ اللي يجوز هنا سي L fois ماشي I de T مي fois DI sur DI de T sur DT. D'accord. Toujours اللي يجوز في البوبين سي با تيار I de T سي I DI de T sur DT. Très bien. Donc, le mot de la tana, c'est ça. VE de T, il y a RI de T, il y a VR. Donc, plus L DI de T sur DT. Très bien. Hana, qu'est-ce qu'on cherche, Doka? Donc, Hadia, il y a l'équation de maille. Alors, Hadi, Fnan Jaha, بديز اس راهي هنا تي هنا تي هنا تي لازم نرجعها بدي اس دونك ماشي نروح انت وبدل بيان سور لازم نديرو ال دو اس تاعها
donc on خليه R i de t ou li i de s plus l di sur dt on a qu'est-ce qu'on d sur di de t sur dt راح تولي لكم معادله s l i de s. On a déjà vu ça la partie 1 عاودتها plusieurs fois. Donc est égal à هنا عندنا ve de t تولينا ve de s. Très bien. نخرجوا i de s عامل مشترك واش حيولي لي داخل دونك تولي لي i de s فوغ نحلو قوس r plus l فوغ s نغلقو القوس est égal à ve de s. حنا نحوسو على f de s اللي هي i de s sur ve de s معناتها واش كاين قدام ve de s sur واش كاين قدام i de s اللي راهو دو كوتي معناتها 1 plus 1 sur pardon r plus l fois s on a le كاين قدام i de s. Donc, il y a un i de s qui est très bien. Il y a un i de s qui est r plus s fois l. Donc, quand je fais le i de s sur ve de s, maintenant 1 sur où je gagne un i de s, il y a un donc il y a ls plus r. Alors, comme ça, nous avons trouvé la fonction de transfert f de s. Alors, on a après, pour la troisième question. Non, en fait, pas la troisième, mais en déduire avec B, des questions B, en déduire le gain statique ainsi que la constante de temps. Donc, voici comment calculer le gain statique et la constante du temps. Donc, F de S, on a les HIA d'après la loi, d'après où je le connais. La dernière question. Donc, le n a 1 sur L de L fois S plus R. Sachant que F de S est égal aussi à la loi de Klishfnaha, la première exercice. Donc, K sur 1 plus Tau fois S. Le K est égal à 1 sur R. D'accord. Ou Tau est égal à L sur R. Ça, ce sont des lois. Donc, K est égal à 1 sur R. Ou tout n est égal à L sur R. Bien sûr, on a tout le donc, on a R, on a L. On a tout le donc, on peut calculer le katana, les hua, le gain statique. Et on peut calculer le totana, les hua, constante du temps. Donc, vous allez juste calculer ça et ça. Autre loup, voici le gain statique tag. Et voici aussi la constante du temps d'accord. C'est tout pour la question. Elle est assez facile, trop facile même. Et donc, pour la deuxième question, on va déterminer la réponse à l'échelon du système. On va voir ça. Donc, voilà comment calculer la réponse du système. Vous avez déjà fait ça. La partie 2. Donc, f de s, on a les x, pardon, y de s sur x de s. X de s, l'échelon, est égal à ve de s sur s. Ve de s, les ou le tani, il est déjà donné. Donc, est égal à 12. Donc, je te voulais lire 12 sur s. Alors, y de s tani est égal à f de s fois x de s. Quand je peux dire y de s maintenant, est égal à f de s sur, fois, pardon, x de s. Qui veut dire x de s tana comme les 12 sur s fois f de s comme aussi elle est donnée ou tu as déjà la question précédente donc 0, donc tu lis 0,0125 sur 1 plus le total comme le rectangle 10 puissance moins 3 fois s. Très bien. Bon, je vais vous donner votre résultat à la fin. Bien sûr, après, vous devez la partager. D'accord? Donc, vous et tout. Je vais vous donner A ou B qui m'a donné la partie 1 et 2. C'est
Donc, on a ce mot-là. Donc, côté, donc, nous avons A sur S, plus B sur où est-ce qu'on a là. Donc, 1 plus 10 puissance moins 3 fois S. Alors, et on tire là de côté, 0,15 de côté. Donc, on doit faire le A ou le B. Donc, bien sûr, qui m'a oublié le com, ou là, si vous avez une autre idée, faites-la pour trouver A ou le B de la com. Donc, à la fin, vous allez trouver que le A est égal à 1 ou le B est égal à moins 10 puissance 3. Donc, à la fin, là, de nouveau, bien sûr, le résultat est comme là, et A est comme le 1 ou le B est comme le moins 10 puissance moins 3. Donc, on a raté le S, on a joué le T. Donc, on a joué le L moins 1. Le cas qui est le T. On a le S, on a le L. Donc là, on a le L moins 1, on a le L. Et bien sûr, vous savez déjà, je vais vous comme de quoi. Le tableau est comme. Mais je finis la première partie. Donc, tu fais le Hadia. Elle correspond à ça ou l'autre, elle correspond à ça. Et du coup, voilà, vali voilou. Donc vous allez tout trouver ici. À la fin, y de theta com est égal à ça. Mon match pro a dit bien et tout. Et donc voici votre sortie à l'échelon du système. Alors du coup, donc c'est assez simple pour la troisième question aussi. Elle est assez facile. Alec, représenter sur un même graphe VE de T et I de T, indiquer le régime transitoire et permanent. Donc bien sûr VE de T a dit comme ça. Et voici I de T t'acom. Le régime transitoire il est de ce côté et le régime permanent de ce côté. C'est bon. J'espère que l'exercice est déjà assez facile. Il est super facile même. On a tout vu. Donc, on a juste revu la phase. J'espère qu'il est assez facile pour vous. J'espère qu'on a l'information. C'est tout. J'espère bien. Après, vous allez tout trouver parce que je suis bzaf. La première partie, j'ai presque tout fait, donc là on refait. Donc vous voyez que c'est juste la suite de la première partie. Revoir maintenant l'exercice. Morbille la qui connaît le R et la bobine. Là maintenant, le condensateur C. Donc on a la résistance R, bobine L et C. On a de ce côté VE de T, les voies grandeur d'entrée, ce côté VC de T, les voies grandeur de sortie. On a R, on a L, I de T, I de T, I de T, I de T. Allez établir la fonction de transfert F de S du système. Très bien. Donc F de S, c'est toujours la sortie sur l'entrée. Donc la sortie est liée à VC de S. Et l'entrée tana est liée à VE de S. Alors, qui chauffe? Voilà. Voilà. Donc, qui chauffe ici? Il y a l'équation tana. Donc, on a les 8 jours, donc. On a R fois I de T. On a la bobine, c'est toujours L fois DI de T sur DT. Ou l'idios FC. Donc les rois VC de T. Les rois aussi. 1 sur C. L'intégrale de I de T DT. Attendez, vous allez voir. Donc, on a l'idios, la résistance est R, I de T.
L'idus bobina c'est L di de t sur dt. L'idus fc les ou vc de t. Donc, il est égal à ve de t. Donc, vc de t, il y a ça. 1 sur c, l'intégrale i de t fois dt. Très bien. Vous allez tout remplacer du coup. Sachant aussi que i de t, les ou c, fois d. VC de T sur DT. Donc, à deux, c'est des trucs, les travaux, c'est des lois. Ils mettent de l'eau, l'électricité, gars. Donc, nous allons faire R, I de T, donc, les R. I de T, les C, DVC de T sur DT. Plus L, DI de T sur DT, sachant que I de T, il y a DIA, du coup, on va faire. Donc, tu lis, c'est d carré vc de t sur dt plus vc de t est égal à ve de t. Très bien. Pour l'instant, on n'a rien fait. On a juste remplacé entre comme hadi, et vous remplacez. On a comme mouchtarta i de t sur dt, du coup, tu lis, donc, c'est bon. Nous avons la formule tana complète. Nous allons faire ça à l'el taha. Du coup, nous allons faire les t dans le genre les s. Bien sûr, ma chère, avec des barques. Ma chère, nous allons faire ça avec les s. Donc, c'est bon, l'idée taha, c'est bon, ça y est. Donc, non. Qui est-ce qu'on a ici, il y a une loi. Quand tu le comme, qui est-ce qu'on a ici, il y a une loi. Qui est-ce qu'on a juste ici, ou là, les vous remplacez par le t et le s. Mais sinon, qui est-ce qu'on a des. De avec le quelque chose sur dt ou la d carré de avec le quelque chose sur dt, vous avez une loi. Comme on a déjà vu la partie 1. Donc vous allez remplacer donc rc, rc qui est qu'on a de s fois ou donc vc de s. Bien sûr, on a le table s. Après plus lc qui est qu'on a c'est s carré. Bien sûr, t est à table s. Donc s carré fois vc de s. Après vc de t, on a un autre t par le s là, non? Et ve de t, on a un autre t par le s. Donc tu lis ve de s. D'accord. Alors, je vais vous dire, f de s, où je connais ici? Il y a vc de s, c'est ve de s. Maintenant, de ce côté, لازم نخرج vc de s عام مشترك. Et de ce côté, si quand tu trouves là ou là, il y a des VE de S. Donc, dans VE de S, il y a juste un 1. On a fait VC de S. Donc, quand on va trouver ça. Très bien. On a marché sur S carré. Bien sûr. Ça, c'est pas le mien. Du coup. Il y a des fautes, mais il y en a encore comme une, il y a des fautes ou pas. Donc ça, mais qu'est-ce que S carré là non? Quand je vais dans le moustar, que je vais essayer de S, il y aura des RCS, non? Il y aura des LC, S carré, il y aura des 1, 1. De ce côté, c'est juste un 1 fois VE de S. Donc on a VLF de S, il y a VC de S sur VE de S, c'est-à-dire. Tous les lits où je gagne un VE de S sur où je gagne un VC de S. Maintenant, 1 sur head RC, RCS, LCS carré et 1. Très bien. Sachant que qui qu'on a un de nos, Mokbila, on a vu que qui qu'on a le R ou le L, qui fait ce qu'on a F de S, qui fait ce qu'on a tube. Là, tout à l'heure, c'était sur le cas sur 1 plus le taux S. Voilà. Ici, qui connaît le R et le L et le C, donc K sur 1 plus 2 epsilon sur WN fois S plus S carré sur W N au carré. Très bien. Maintenant, donc le 1, donc un K qui est égal à 1,
عندي الان تاعي هنا ام دوك نشوفوا اللي قدام الاس هو هذا دونك قدام الاس فوالا عندي ار سي دونك ار سي est égal à 2 fois epsilon sur Wn. Après, je fais qu'on a S carré. Donc, qu'on a S carré, nous avons Lc. Donc, Lc est égal à 1 sur Wn carré. Donc, Kt est égal à 1. Très bien. 2 fois epsilon sur Wn est égal à Rc et Wn qui est au carré qui est égal à ça donc qui est Wn à tous les 1 sur racine de L fois C donc L et C ils sont donnés donc il y a 447,2 radians sur seconde R1 et R2, ils sont donnés. Donc, on va mettre epsilon 1 et epsilon 2. Donc, tout est donné. Comme conclusion, on peut dire que Ida, l'epsilon, est là. La résistance, c'est là aussi. Les exercices qu'on a fait, ils sont vraiment faciles. Vous pouvez les refaire et les refaire et les refaire parce que Radal et Raholkom, Ishbo Kimahoma, ce soir. Donc j'espère que vous avez bien compris, j'espère que ma couche est à l'écran, que je suis parfaite et vous avez compris Maya bien. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.